Bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour une leçon de français pour étrangers. Pratiquez l'oral et l'écrit. Leçon 11. Compréhension orale niveau 1. Dans cette leçon, vous allez pratiquer votre compréhension orale. Vous allez entendre un court texte et ensuite vous allez répondre à des questions de compréhension. Si vous êtes à l'aise, vous trouverez un dernier exercice pour reconstituer le texte entendu. Vous êtes prêts? Alors, nous pouvons commencer. Voici le texte. Écoutez bien. Julien a 28 ans. Il habite à Paris, dans le 12e arrondissement. Il vit avec Cécile, sa copine. Tous les jours de la semaine, Julien se lève à 7h30. Il prend son petit déjeuner. Ensuite, il va dans la salle de bain pour prendre une douche. Il s'habille, il dit au revoir à Cécile et il part au travail. Il travaille dans une banque dans le quartier des Champs-Élysées. Il arrive au bureau un peu avant 9h. Il dit bonjour à ses collègues. Il lit les emails urgents. Dans la matinée, il a souvent des réunions. Le midi, il déjeune avec ses collègues à la cantine. L'après-midi, il travaille en général jusqu'à 18h. Il rentre chez lui. Il dîne avec sa copine. Après le dîner, ils aiment bien sortir, voir des amis ou aller au cinéma. Julien se couche en général vers 23h30. La journée est finie, une autre va commencer. Alors, voici maintenant les questions que vous allez entendre et voir et auxquelles vous pouvez répondre. Première question, Julien à quel âge? Il a 28 ans. Il habite où? Dans quel arrondissement? Il habite à Paris, dans le 12e arrondissement. Est-ce qu'il vit seul? Il vit avec Cécile, sa copine. Il se lève à quelle heure? Il se lève à 7h30. Il travaille où? Dans quel quartier? Il travaille dans une banque. Dans le quartier des Champs-Élysées. Il arrive à quelle heure? Il arrive un peu avant 9h. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Il dit bonjour à ses collègues. Il déjeune où? Il déjeune à la cantine. Il finit le travail à quelle heure? En général, il finit à 18h. Il dîne avec qui? Il dîne avec sa copine. Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire après le dîner? Ils aiment bien sortir, voir des amis ou aller au cinéma. Qu'est-ce que Julien fait vers 23h30? Il se couche. Voilà, c'est fini pour les questions.
Alors, voici le texte complet que vous pouvez lire à votre rythme. Et ensuite, la possibilité de reconstituer les phrases que vous avez entendues. Alors, ici, voici la première phrase. Vous pouvez essayer de compléter ici. Julien a 28 ans. Il habite à Paris, dans le 12e arrondissement. Il vit avec Cécile, sa copine. Tous les jours de la semaine, Julien se lève à 7h30. Il prend son petit déjeuner. Ensuite, il va dans la salle de bain pour prendre une douche. Il s'habille, il dit au revoir à Cécile et il part au travail. Il travaille dans une banque dans le quartier des Champs-Élysées. Il arrive au bureau un peu avant 9h. Il dit bonjour à ses collègues. Il lit les emails urgents. Dans la matinée, il a souvent des réunions. Le midi, il déjeune avec ses collègues à la cantine. L'après-midi, il travaille en général jusqu'à 18 heures. Il rentre chez lui. Il dîne avec sa copine. Après le dîner, ils aiment bien sortir, voir des amis ou aller au cinéma. Julien se couche en général vers 23h30. La journée est finie, une autre va commencer. Et maintenant, le même exercice, mais avec beaucoup plus de trous, donc que vous pouvez faire à votre rythme et vérifier donc avec la transcription que vous avez. Voilà, eh bien, je vous dis au revoir et à très bientôt sur netprof.fr.